Bonsoir, chers internautes. J'ose croire que vous m'entendez très bien. Bon, si c'est le cas, je vous prie de me faire un signe pour me rassurer que vous m'entendez très bien. Et si vous m'entendez très bien, je vous prie de me faire un petit message pour me rassurer au cas concret. Je sais pas, je pourrais faire l'effort d'élever un peu la voix. D'accord, là je suis sûr de me rassurer que vous me percevez. Alors, comme vous le savez très bien, vous avez été nombreux à être informé que j'ai été victime d'une agression, du moins d'une tentative d'assassinat ce matin. Je rends grâce à Dieu, sinon je... Grâce à qui aujourd'hui nous pouvons encore se parler, même si j'ai plus 24 résultats, c'est au moins un plus parce qu'il n'a pas permis à ces personnes animés d'un esprit satanique, d'arriver à leur fin. Alors, je ne pourrais pas faire un texte aussi pour détailler ce qui m'est arrivé. Donc, c'est pourquoi j'ai sollicité, j'ai souhaité faire ce live pour essayer de vous entretenir sur ce que j'ai vécu en fait. Alors, permettez que je commence d'abord par remercier tous ces Camerounais, tous ces nombreux internautes qui ont eu à me signifier leur soutien. J'ai reçu pratiquement plus de 200 appels ce jour, sans compter les messages WhatsApp, sans compter les encouragements d'autres natures. Permettez que je commence par remercier mon employeur, Cameroun Web, le site d'information Cameroun Web, avec qui je travaille, qui a tenu, une fois avoir appris mon agression, à faire un communiqué pour alerter le monde entier. Puisque, voyez-vous, le plus important dans ce genre de cas aussi, en plus d'être sorti vivant, c'est savoir qu'il y a des personnes qui vous portent dans leur cœur. Je veux remercier aussi tous mes frères du quatrième pouvoir, qui ont également fait un tollé à ce sujet, sans oublier le grand frère Jipon Remy Ngona, qui est à Paris, sans oublier M. Jean Mangos, qui a pris le temps de m'appeler, on a causé pendant 25 minutes. Sans oublier le jeune frère Denis Emilia Tangana, sans oublier Boris Berthold, sans oublier le grand frère Mamadou Mfa, sans oublier mon frère aîné Serge Aimé Bikoy, sans oublier Claudicia, qui a permis que je m'exprime dans son antenne, dans le cadre de l'émission Couleur Tropicale qui passera tout à l'heure. Il a pris sur lui de m'appeler, de s'enquérir et de m'encourager. C'est l'espoir d'une gratitude. Donc, permettez que je leur fasse ce clin d'œil pour leur signifier ma reconnaissance vis-à-vis de ce qui s'est passé. Alors, comme j'étais en train de le dire, je veux aussi remercier le grand frère Moifo, qui certainement nous écoute en ce moment. Saluer aussi le grand frère Le Bon Dachua, qui malgré sa cellule a tenu au moins de me porter à cœur. Beaucoup, beaucoup, ont été des milliers de Camerounais qui m'ont apporté le soutien. Alors, je vais aller tout droit au but pour dire ce matin, avant de continuer, je veux aussi tout de même dire merci à ceux-là qui ont, je voulais dire, dénaturé ce que j'ai vécu. Dès qu'on dit, c'est ma femme qui a fait ci, donc quand on dit, je suis tombé d'une moto parce que j'ai sorti des buvettes. Bon, tant mieux, je cite Landioua Moussa, qui a fait un post dans un groupe WhatsApp. Pour ironiser mon sort. Bon, c'est son droit. Tout le monde n'est pas obligé de l'aimer. Je leur encourage d'ailleurs d'être constants dans leur haine. Ça signifie qu'effectivement, eux, au moins, ils sont sérieux envers leur méchanceté. Alors, comme j'étais en train de dire, je sors chez moi ce matin. Il est pratiquement, la plupart du temps, je me réveille puisque je dors peu. Je peux dormir pendant 2 ou 3 heures de temps. Je me réveille souvent à 5, 4, 3 heures pour faire le tour
de la toile pour parcourir l'actualité, écouter le journal pour savoir ce qui, comment le monde se porte. Et je prends souvent sur moi, c'est déjà une coutume de faire des revues de presse sur ma page Facebook et sur mon compte. C'était donc la coutume lorsque j'ai fini. Et je suis allé aux toilettes, j'ai constaté, je voulais prendre mon bain, j'ai constaté qu'il y avait savon qui n'y avait plus. Je suis donc sorti, il était 6h15, puisque mon domicile n'est pas loin de la route. Je suis donc sorti et pour me rendre sur le boutiquier qui est à 150 mètres de ma maison. Alors, lorsque je sors de la barrière, un véhicule passe. Du moins, j'ai pas, parce que je sais que c'est un quartier résidentiel, il y a tout, je suis sûr que je ne peux pas imaginer qu'il y a des personnes qui puissent arriver à 6h30, 6h15, même si ils voulaient me faire la peau, je ne pouvais pas savoir que c'est à cette heure qu'ils pouvaient choisir de le faire. Alors, je prends donc la route, je suis en train de sortir. Il y a donc trois individus qui étaient tous en casquette, braquet noir, qui avançaient. L'un vient directement vers moi. Il me dit, gars, c'est comment? Bon, lui, il ne m'est pas familier puisque je suis un peu trop discret aujourd'hui, on me connaît peu. Je sens que lorsqu'il me dit ça, les deux autres viennent. Je voulais voir bizarre parce que moi, les gens ne peuvent pas s'orienter vers moi comme ça, je ne les connais pas. Alors, j'essaie un peu de prendre du recul. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils ne font qu'arriver vers moi. J'essaie un peu de vouloir fuir. Ils m'arrêtent. Ils commencent à m'asséner des coups de poing. Bon, moi aussi, étant dans une posture où je sais que je suis en danger, j'essaie de me débattre tant bien que mal pour essayer de sortir du gouffre. Alors, c'est ainsi donc, et ils parviennent à me mettre au sol. Ils commencent à me rire, l'autre l'un sort le couteau. Vous pouvez constater, je ne sais pas, vous pouvez voir là. Vous pouvez voir. Vous pouvez voir au niveau de mon pied gauche, on a fait une suture ici parce que la blessure était très profonde. Donc ils ont bradé, ils ont déchiré. Et comme si cela ne suffisait pas malgré les cris d'alerte, puisque étant dans un état pareil, il faut toujours prendre sur soi de lancer les cris d'alerte. J'ai essayé de le faire. Le boutiquier donc qui était chez qui je me rendais, il sort puisqu'il voit ce qui se passe. À l'instant, il ne se rend pas compte que c'est quelque chose de sérieux. Il se dit peut-être généralement, vous savez, le niveau d'insécurité demande parfois aussi d'être prudent dans ce genre de situation. Alors lorsqu'il sent c'est moi, je l'appelle, je dis c'est moi, au secours. Il m'observe, il se constate bien que c'est moi. Il vient donc vers moi, me secourir. C'est parce que c'est lui. Donc, moi, c'est grâce à lui que j'ai eu la vie sauve. Il vient me secourir. Lorsqu'il vient donc, je trouve la faille, je fuis, je m'en vais dans sa boutique. Malgré le fait que je sois dans sa boutique, ils me suivent jusque dans la boutique. Lui également, il essaie de se battre. Il y avait donc une table là, j'ai essayé de pousser la table pour les empêcher d'arriver jusque moi. Alors, certains voisins ayant entendu des cris, l'un d'eux sort, il constate qu'il y a quelque chose de pas sérieux qui se passe dans la boutique. Lui aussi, il entre dans la boutique. C'est en ce moment que ces gens sortent, le réseau est perturbé. Alors c'est bon, parce que j'ai arrêté parce que j'ai constaté que le réseau était apparemment en signal direct. Alors lorsqu'il fait cela, ils s'en vont. Lorsqu'ils s'en vont, là, le véhicule en question qui est passé à côté de moi les attendait un peu plus devant. C'était un véhicule Mercedes ML. ML qui les attendait. Les enquêtes sont en train de se poursuivre. Je pense que si tout se passe bien, je pourrais avoir l'immatriculation de ces véhicules. Je le dis parce que, d'après les informations que j'ai eues, puisque quand cela se passe, ça commence à attirer l'attention des voisins. L'un me dit, il voit souvent ce véhicule venir garer là, à côté de ma maison, chaque matin à 5 heures. Donc c'est la cinquième fois successive qu'ils le font. Donc ça veut dire que c'était donc tout quelque chose de bien planifié pour essayer de me ôter la vie. Je dis bien ôter parce que lorsque je sortais le matin, j'avais de l'argent sur moi. Lorsque j'allais à la boutique, j'avais de l'argent sur moi, 11 500. J'avais également mon portable. Ils n'ont même pas pris le portable pour voir. Le portable là, il est fissuré. Vous allez voir que le portable est fissuré parce que c'est tombé. Ils ne l'ont pas pris. Ils l'ont pas pris. Ils sont partis. Alors, ils sont partis sans mot dire. Du moins, même s'ils m'avançaient des propos, des paroles, je peux vous dire que je ne peux pas savoir parce que tout ce qui était dans mon esprit, c'est essayer de me battre pour essayer de sortir de leurs mains, même s'il fallait. Il arriverait que je laisse ma vie parce que il ne venait pas pour le matériel ou quoi que ce soit. Donc, il venait automatiquement m'assassiner. Donc, je permettais que j'insiste encore à rendre hommage à ce boutiquier qui a eu ce courage.
C'est grâce à lui, c'est grâce à je voudrais dire, à son courage, je suis sorti de là. Voyez-vous, si cette boutique n'était pas ouverte, vous auriez entendu le matin que j'ai été assassiné. J'étais en bordure de route. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez constater au niveau de mes doigts, ma main gauche, là, on voit quasiment de l'os. À l'hôpital, on a essayé également de faire une suture, mais on a constaté que si on le faisait, mon doigt ne pouvait plus bouger. Donc, on a attaché la suture, donc on voit quasiment l'os également ici et là. Donc, voilà ce qu'ils pouvez vraiment constater au niveau du coude. Au niveau du coude aussi. Je vais me décoiffer pour vous bien vous montrer. Donc, vous pouvez voir là. Vous pouvez voir. Le matin, mon œil ne s'ouvrait quasiment plus. Il ne s'ouvrait quasiment plus. Donc, je suis sous antibiotiques. On m'a prescrit des antibiotiques que j'ai achetés, que je suis en train de prendre. Donc, voilà ici. Voilà un peu le récit de ce que j'ai vécu le matin. J'ai envie ici de rappeler qu'il y a cela 2 mois, lors de la période électorale, il y a des individus qui sont venus séquestrer ma maison. Heureusement, ce jour, c'était parce que mon homme était 10 ou 7. Je n'étais pas à la maison. J'ai eu l'information, j'étais obligé de vivre de façon reclusée parce que. De façon recluse, pas pour moi, parce qu'il savait objectivement pas ce qu'il venait chercher, mais j'ai eu comme information qu'il était question de me faire la peau. J'étais obligé de me retirer pendant 1 mois. Et c'est 1 mois passé, j'ai pris les dispositions. Et comme vous voyez, mais je constate qu'ils sont récidivistes, vous savez très bien que c'est peut-être la quatrième, mais moi la quatrième agression dont je suis victime. Seulement la quatrième agression, moi je suis victime aujourd'hui. Mais celle-ci est d'autant plus grave, très grave, parce qu'il venait me tuer. Alors je ne sais pas ce que ces gens voulaient, mais je tiens à préciser que ces méthodes d'intimidation ne servent à rien, ça ne sert à rien, parce que ça ne sapera pas mon moral. Je tiens à leur dire cela. S'ils pensent m'avoir intimidé, non, rassure, qui se rassure que davantage, ils m'ont plutôt. Donner beaucoup de courage. Vous voyez? Je me classe dans une posture de quelqu'un qui est un peu comme un soldat au front. Puisque vous savez qu'on est dans un contexte très délicat. Bon, on n'aime pas des gens qui disent la vérité, on n'aime pas. Mais malheureusement, c'est mon karma. J'ai choisi ce sentier. J'en tirerai toutes les conséquences. Qu'ils sachent que s'ils pensent qu'ils m'ont intimidé, non, qu'ils se rassurent. Mais dorénavant, je voudrais le dire. Avant de revenir, qu'ils se tiennent bien, parce que je leur promets de signer sur un. Ça dit un, deux, lui et moi, on va se gâter. On va se gâter. Donc, qu'ils viennent désormais, qu'ils sachent que je me prépare pour ça. J'ai pris les prédispositions. Vous pouvez voir, par exemple, là, ça c'est un carnet. Un carnet où je ne vais pas entrer dans le détail parce que pour des raisons sécuritaires pour mon identité. Donc, voilà le carnet en question. Vous pouvez constater, voilà le carnet. Ça, c'est le certificat médico-légal. Certificat médico-légal que j'ai établi. Vous pouvez le voir. Donc, voilà ce qui s'est passé. J'ai tenu à faire ce live pour essayer d'expliquer parce que les gens estimaient qu'il fallait que je fasse cette précision. Ça créait toute une polémique au niveau. De la toile, déjà été dubitatif, c'est très normal. On est dans un contexte où des personnes sont tellement mal intentionnées, il y a des gens qui inventent des histoires. Donc, pour ça, j'ai vraiment insisté. Je vais également remercier, j'allais oublier, Reporters sans frontières, le responsable d'Afrique centrale avec qui j'ai échangé longuement. Je vais également remercier le comité de protection des journalistes basé en Afrique du Sud qui ont pris la peine d'épiloguer, d'échanger avec moi. Je vais également remercier certains hommes de médias de bonne foi qui m'ont appelé pour m'encourager. Je pense ici au grand frère Magnus Biaga de l'émergence. Je pense également à l'aîné Amad Mana du quotidien Le Jour. Je pense au grand frère Jean-Bruno Tagnon. Je pense ici à Lazare Zambo, le chef de chaîne de Sky One Radio. Je ne saurais le dire
sans toutefois reconnaître ma gratitude vis-à-vis des membres fondateurs du groupe d'échange du Forum WhatsApp Fondation Fruits d'Afrique. Je pense ici à tous ces internautes qui m'apportent inlassablement leur soutien. Donc, je ne saurais, excusez-moi, je ne saurais citer toutes ces personnes qui m'ont apporté leur soutien. Je remercie toute l'équipe de Couleur Tropicale. Il y avait une artiste qui a aussi tenu à m'encourager, elle était en studio en ce moment. Je tiens à lui remercier aussi, à la remercier aussi. Donc, voilà un peu ce que moi j'ai vécu. Contrairement à ce qui se dit sur la toile, bon, c'est bonne guerre. On ne peut pas aimer tout le monde. Je ne peux pas déterminer effectivement qui ont été les commanditaires. Mais sachez que la mission était de m'assassiner. Je reçois des coups de fil incessamment. Vous me dites, il faudrait que tu arrêtes de parler. Il faut que tu utilises le régime, etc. Moi, je ne sais pas si dénoncer les injustices des gens est devenu un crime. Si c'est donc ça, la démocratie au Cameroun, tout le monde en tirera la conséquence. Mais sachez qu'il y a eu des situations aussi plus graves dans le monde entier que celle-ci. Mais vous ne pouvez pas estomper, vous ne pouvez pas empêcher aux gens de parler. Impossible. Il y a des valeurs qui valent plus que l'être humain. Il y a des valeurs qui sont au-dessus de l'argent. Il y a des valeurs qui sont au-dessus de quoi que ce soit, du matériel. C'est pour dire, lorsqu'on aspire à quelque chose, ça devient comme une drogue. Ça devient comme une drogue qui nous hante. Donc, je suis passionné par ça. Et je voudrais que ceux qui pensent que en me tuant, ça va changer les choses, non. Vous en avez tué combien? Dans le monde entier, on a tué combien? Tout au contraire, vous ferez plutôt mieux de nous encourager parce que nous sommes comme un phare pour vous, puisque nous attirons inlassablement et incessamment votre attention sur les tares que vous posez au quotidien. Moi également, j'ai mes défauts, j'ai mes tares, mais j'aime également écouter les critiques parce que c'est au regard de ces critiques que moi j'essaie de me parfaire. Donc, sachez que nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Ces genres de comportements relèvent tout simplement de la lâcheté. Voyez-vous, on est dans un combat de liberté d'expression. J'ai plusieurs fois, après mes agressions, saisi les autorités. Bon, je ne sais pas pourquoi, jusqu'ici, des mesures ne sont pas prises. Bon, ça laisse aussi à réfléchir sur l'image du Cameroun. Vous voyez, ce n'est pas nous qui écornons l'image du Cameroun, c'est vos attitudes. Lorsque des gens sont attaqués, lorsque des journalistes sont muselés quotidiennement, souvenez-vous encore, il y a les journalistes du quotidien le jour, par le passé, lors des élections, c'est pas bon ces images. Vous deviez accepter la contradiction. Même si des gens ont tort, vous deviez l'accepter. On ne peut pas être tout à fait d'accord envers soi. Même envers soi, même avec son propre intérieur, on est parfois dubitatif sur certaines prises de position. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens. Vous aussi être bas et lâche. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. Des ragots de sous-quartier qui disent que c'est dans une histoire conjugale, c'est terrible. Je tiens à les préciser que c'est pas, je ne mange pas de ce fruit, c'est pas, ça ne me ressemble pas. J'ai beaucoup mieux à faire que de m'illustrer dans ce genre de cinéma de bas étage. Donc, qu'ils sachent, je suis convaincu que beaucoup d'entre eux m'écoutent, qu'ils viennent plutôt davantage de me galvaniser. Je les remercie pour ce courage qu'ils m'ont davantage donné et qu'ils sachent que je ne reculerai pas. Voilà le message que j'ai voulu leur passer. Voilà le message que j'ai voulu passer aux uns et aux autres. Bon, mais sachez que lorsque dans la vie, Dieu est là, il est là pour les faire. Vous avez tous les moyens nécessaires. Mais posez-vous la question de savoir. Pourquoi vous n'en arrivez toujours pas? Peut-être que vous avez réussi avec les uns. Je ne sais pas, peut-être que vous réussirez avec moi. Mais, un jour. Donc, merci encore. Merci. Merci. Donc, voilà ce que j'ai tenu à vous dire ce soir. Je remercie davantage encore l'équipe de Cam